Ouais, je pense qu'on est en live là. Je pense, hein. Je ne sais pas, on va vérifier cela tout de suite, hein. On sait pas. Est-ce qu'on est en live? Grande question. Est-ce qu'on est en live? Attendez, on va lancer une petite game. On va vérifier qu'on est bien en live. Voilà, YouTube. Alors, ma chaîne. Je suis pas en live. Oh, je sais pas si c'est chaîne. Bon, en tout cas, j'espère que je suis en live. Du coup, si je suis en live, n'hésitez pas. Bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Du coup, mais je sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions du coup posées et si j'arrive à répondre, je vous répondrai. Du coup, aujourd'hui je voulais faire ce live parce qu'il y a le nouveau patch note qui est sorti. Je sais plus quelle mise à jour, 9.21 je crois ou 22. Et du coup, cette nouvelle mise à jour, il y a eu beaucoup de changements dedans. Déjà la carabine, l'une des armes que j'utilisais le plus souvent, enfin dans la saison 4, 5 et 6 et 3, j'ai utilisé vraiment. Si tu passais sur les snipers lourds et tout. Après, je suis dégoûté que dans cette saison 9, ils ont enlevé les pompes chasseurs, etc. Du coup, je vous ai pas montré depuis le début parce que là, je suis quand même en mode arène. J'ai à peu près 300 points. Non, j'ai pas 300. J'ai à peu près 100 points. Je suis en division 3. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pas montré parce que j'avais beaucoup de choses à faire et tout. Je pouvais pas jouer. Je pouvais pas geeker à fond. Quand on se fait un petit spawn save, comme ça on pourra parler. Le but là c'est de faire un max de points, de ce box. Moi surtout je vais aller récupérer les construits, buter un peu des gens histoire de se faire 3 ou 4 kills à peu près. Et ensuite on va aller directement ce box. Comme ça on arrive. Parce que je suis dégoûté, hier j'avais fait un. Aujourd'hui j'ai fait un petit top 1. Après, je ne sais pas, les mecs, si vous pouvez m'aider, parce qu'en fait, le parapluie du top 1, regardez, je l'ai pas débloqué. Et je comprends pas pourquoi je l'ai pas débloqué alors que j'ai fait top 1 aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai essayé de faire top 1 avec vous. Et du coup, j'ai fait aussi top 2 hier, deux fois. Pourtant, je suis tombé contre des bambis, mais le dernier, j'avais pas vu qu'il me spammait moi. J'ai cru qu'il était sur un autre mec. Du coup, j'ai essayé de décaler. Décaler les zones, mais j'ai pas pu. Ah ouais, j'ai bugué juste. Ouais, j'ai bugué un peu quand même. On va essayer de jouer malgré le petit jet lag qu'il y a. Ça bug sale quand même. Et moi, je sais pas si des habitués de la. Ben, des habitués de la. Justement, en fait, les gens qui voudraient être modo, c'est le moment parce que j'aimerais nommer des modos. Mais je sais pas qui comme, nommer comme modo. Faudrait des gens que je connais qui passent souvent sur la chaîne. Bah, si je vous nomme modo, c'est pas pour déconner ou quoi que ce soit. Par exemple, j'ai un pote que je vais nommer modo parce que c'est un pote qui regarde très souvent mes lives. Par contre, il y a des règles à suivre. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre mon Discord que je vous mettrai, je vous balancerai sur YouTube. Je sais pas si je vous montrerai où. N'hésitez pas à m'ajouter. Pour toutes les personnes qui se demandent, oui, il y aura la. Ouais, je vais mettre la rediffusion. Parce qu'on demande. Oui, je vais mettre la rediffusion de ce live. Malgré que je pense qu'il va pas être fameux. Parce que je vais pas avoir des vues. Imagine, je tombe sur le faux bruiteur. J'ai peur de tomber contre un mec de mes build fight et parce que là ça va encore, je récupère des matériaux. Mais j'ai peur de mes build fight et de bugger. Parce que si je lag là-bas, aïe aïe, est-ce que ça peut être catastrophique? Ça peut tout jouer pour moi. Pour tous ceux qui se demandent, oui, je joue avec le touch de base comme F1, F2, F3. Vous allez vous dire, ben, change tes touches parce que tu dois être sûrement un gros bombi ou je sais quoi. Et en fait, non, je suis pas du tout. Enfin, pour moi, je suis pas un bambi. Après, je sais pas, ça vous jugez, hein.
s'il y en a qui trouvent qui sont meilleurs que moi, mais ils ont qu'à me proposer un build fight, hein, moi je suis ouvert. Je suis là. D'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter, hein. J'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde. Parce que moi ça m'est déjà arrivé genre de me faire une demande d'amis et 4 semaines plus tard je vois que un de mes youtubeurs préférés augmente trop et du coup pour lui parler c'est difficile alors que j'aurais pu l'ajouter et jouer avec lui quand je voulais. Enfin je dis pas ça pour dire quoi que ce soit ou que je suis un très bon youtubeur ou que je sais jouer, je sais pas moi. Bah c'est juste pour vous dire que réfléchissez bien parce que c'est pas pour moi que je fais ça. Parce qu'ensuite il y aura des gens qui une fois que la chaîne sera un peu plus concrétisée, que j'accepterai que les modos, les sponsors, etc. Ben ils vont demander de les accepter. Ensuite ils vont s'énerver quand je vais pas les accepter. Donc du coup, si vous voulez m'ajouter, c'est le moment. Alors pour tous ceux qui veulent me 1v1 comme je disais tout à l'heure, ben ça se passe, bah je vais vous donner mon Discord, vous avez qu'à m'ajouter, vous venez sur Discord, vous me dites je vais te prendre un 1v1, je te massacre, nanana. Ensuite on règle ça en 1v1, comme la majorité des gens logiques, hein. Bon alors des mini. Je suis dégoûté, à chaque fois je prends des conneries là. Bon, alors bon, là j'en arrive, je vais juste fouiller ce coffre. Je me taille. J'espère que je vais pas bugger en faisant ça. Oh, désolé pour ce bruit là. J'ai un loot correct. Bon après c'est pas le meilleur loot qui soit. Mais comme je vous l'ai dit là. C'est correct. Je sais pas si je vais arriver dans la zone parce que là on est un peu loin quand même. C'est ça dont je vais vous parler, j'avais peur de ça. J'avais peur de ça, de bugger, mais c'est quoi ce truc? J'attends que le mec, parce que là, vas-y, ouvre. Attends, j'ai peur de me fight avec. Que ça se finisse mal pour moi. On va éviter de le fight parce que là, je pense que ça peut être dangereux pour nous. Ouais mais gros, comment tu veux, j'étais sur lui. Ah, fais gaffe. Ah non mais c'est pas vrai. J'ai mis deux têtes. C'est pas... Bon les mecs, on va se concentrer un peu parce que là, game d'échauffe. J'ai ruiné tout. Pas, attendez, je vais checker un petit truc. Attendez, je vais checker
un tout petit détail, du coup on va... Voilà. Je vais checker un petit détail là. Du coup, je pense que je suis en live là. Attendez, je vais juste checker parce que j'ai peur de faire un live qui pour rien. Genre. Ah ouais, ah ouais. Pff, bon, les mecs. Bah attendez, je vais checker si j'ai la carabine. Si on entendait bien. J'ai la carabine, l'une des armes que j'utilisais le plus souvent. Enfin, dans la saison 4, 5 ah et ouais, Fino est là. Depuis le début, parce que là, je suis quand même en mode arène. J'ai à peu près 300 points. Je joue avec le touch de base, comme F1, F2, F3. Ça veut dire ben change tes touches parce que tu dois être sûrement un gros bombi ou je sais quoi. Et en fait non, je suis pas du tout. Enfin pour moi je suis pas un bombi. Après je suis pas, ça vous jugez hein. Alors le lag est présent. Il y en a qui trouvent qui sont meilleurs. Bah du coup cher Funo, je voudrais répondre à ta question. Le lag est présent. Oui, ça c'est vrai. C'est juste parce qu'en fait j'ai pas une bonne.